Salut à tous les enfants, c'est Nano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle descente dans Spelunky. Donc tout de suite c'est la suite, hein. Vraiment je l'enregistre dans la foulée. Donc j'avais dit que j'allais m'atteler, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas là maintenant je le dis, je vais m'atteler à l'ouverture du dernier raccourci, donc le temple, et apporter cette clé dorée. Donc si c'est pas ça je vais être assez dégoûté, mais si c'est ça je vais être content, et si c'est pas ça ce sera un fail cette vidéo. Et si c'est ça, ce sera une victory. Epic victory. Donc en fait, faut pas ouvrir le jet high, faut trouver un jetpack. Faut pas voler les marchands, ça va être assez chaud en fait. Mais c'est pas grave. Challenge accepted. Donc toi déjà, tu viens avec moi. On va faire l'amour. Ouais, c'est assez ambigu, hein. C'est un chien, mais... oubliez ce que j'ai dit. C'est Dumba. C'est parce qu'il est tard en fait. J'ai des conneries, voilà, j'essaie de me rattraper maintenant. De me rattraper, pardon. Je ne vois rien. Très bien, je crois que c'est la première fois qu'on a ce niveau spécial. Il n'y a rien du tout d'intéressant, mon grand. Vous voyez cette petite luciole là? Attendez, y en a une là, voilà. Ça rapporte pas mal d'argent. Viens là, mon gros. Hop, hop, toi t'es mort. Je garde la torche parce que j'ai pas envie de la perdre. Ah! Oh! Damn! Comment j'ai fait pour résister à ça? Allez, toi tu t'en vas. J'entends le prince qui fait mouah! Allez, toi tu ne te cacheras pas éternellement. J'espère qu'il n'y a pas la clé du coffre ici parce que c'est quand même un niveau dans le noir. Et... c'est assez relou les niveaux dans le noir. Hein. Donc là j'essaie de collecter un maximum d'argent pour le putain de jetpack. Il faut absolument que j'en trouve un par contre. Hop, on récupère de l'argent. Tant pis, on s'en va. Le truc ça va être de speed en fait après. Dès qu'on a le truc il faut, voilà, il faut y aller, il faut aller vite. Hop, oh putain mais genre quoi. Ah là là. Tu tombes toi. Toi aussi tu tombes. Avec là en fait il était en train de... putain mais vas-y là. Tu viens pas toi? Allez viens. Ah elle va me gêner cette... voilà, elle m'a gêné. C'est tout, elle m'a gêné. Des bombes. Putain, franchement si je tombe... y a pas un shopkeeper là? Ah là là, mais toi... toi t'es chiante hein. Voilà. Ça c'est THE technique pour buter les araignées. Je peux tomber. Là c'était vraiment la limite hein. Allez! Voilà, meurs. Hop, toi t'as déjà tiré, c'est très bien, c'est parfait, voilà. Toi t'as tiré. T'as pas tiré mais je te ferai pas tirer. Je te ferai pas ce plaisir. Toi tu craches, voilà. Hop! Ah, god damn it! C'est tentant de... j'en prendre un. Parce que je sais que le jetpack, il vaut dans les 20 000 en fait au niveau des mines. 20 000 je crois, ouais. Ensuite, il est à 30 000. Mais je pense que j'aurai récupéré ça d'ici là. Alors, toi, tu descends. Hop, c'est un niveau... j'ai la chair de poule ou quoi? Enfin, j'en ai la chair de poule. Il y a beaucoup d'araignées... oula, oui, il y a beaucoup d'araignées. Vous voyez en dessous là? C'est accueillant, n'est-ce pas? Hop! Pop. Je vais être obligé de tuer celle-ci. Sinon elle va me sauter dessus comme une salope. Hop, j'espère qu'il y a un jetpack. Il n'y a que des bombes. C'est très bien les bombes, mais moi je veux un jetpack en fait. Crash. Très bien. Toi je t'entends crier, je sais que tu as un problème, je sais. J'ai que 2 points de vie, hein. J'ai déjà perdu pas mal de points de vie en fait. Elle est où? Oh, il y a la clé. Est-ce que je peux y arriver? J'y arrive pas. Putain, je suis mort. Ok, on recommence. Par contre, le jetpack, enfin, j'ai quand même envie de le voler, vous savez quoi? De toute façon, le marchand, on peut quand même le gérer avec des... rien qu'avec des bombes. Enfin, le jetpack... Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus.
Le marchand, ouais, on peut le gérer avec des bombes. Le shotgun n'est pas une priorité. Oh, il y avait une bombe avec. Ça a tué la chauve-souris, très bien. Toi, je t'ai foutu un coup de fouet, c'était pas volontaire. Hi! Oh, c'est lui qui a pris, et il est mort. Je pensais pas que j'allais foirer comme ça. C'est pas grave. Hop, fait comme ça. Ah oh, putain, encore un. J'ai pas de chance avec ça. Regardez-moi ça. Oh la boussole, par contre là j'ai de la chance. Vas-y, saute. Allez, la toile d'araignée qui me ralentit. J'avais pas remarqué qu'elle avait un grain de beauté. Deux grains de beauté. Aux mêmes endroits. Enfin, aux extrémités quoi. C'est assez bizarre. Normalement, c'est pas comme ça. On n'est jamais symétrique. J'entends dans les serpents, je déteste les serpents. Donc ça veut dire qu'il y a une fosse à serpents. Voilà, elle est ici. Et j'espère qu'il n'y a pas la clé dedans parce que j'aime pas aller foutre mon nez dans les fosses à serpents. Il n'y a pas la clé, très bien. Viens avec moi, toi. Hop. Donc apparemment, il n'y a pas la clé. C'est quand même chiant, je sais pas pourquoi l'autre il a besoin de cette clé. Parce que théoriquement elle ouvre que... Ah oh, putain, encore que des bombes. Vous me direz, les bombes c'est déjà super bien en fait. Donc je vais aller le piller ce marchand. Je vais faire comme ça. Voilà. Maintenant tu vas venir par là. Allez, viens. Le problème c'est... Merde. Ah. Là il est coincé. Ah, il était pas coincé. Allez, là il est coincé, viens. God damn it. Voyez que c'est, il est assez énervé, hein. Là, je me prends un coup, je meurs. Voilà. Voilà, je l'ai géré. Quand je suis trop un beau gosse. Hop. Putain, je viens de misclic encore, j'ai posé une corde. I don't mean to do that. Bon, je prends quand même le shotgun, histoire de, hein. Histoire d'être quand même équipé, hein. On y va, les copains. Faut que je me rappelle que je ne peux pas non plus enregistrer super longtemps là, parce que j'ai pas encore compressé le. Enfin, monté toute la toute l'autre vidéo là. Donc, en gros, elle est encore sur mon disque dur. Ça c'est chaud, mais c'est pas grave. Ouf! Eh, elle tombe pas là! La garce! Hop! Là elle est tombée, oh la salope! Hop, toi tu exploses, car... Putain! Toi tu te calmes! Ok, les spiky shoes et le gant d'escalade, c'est très bien. Oh, et la clé qui est là! Hop, toi! Voilà comment le tuer. Fumier. Ah merde! Non! Voilà. Donc je c'était pas prévu en fait. C'était pas prévu. Je vais pas faire beaucoup de tentatives. Hein. Si c'est foiré, c'est foiré, tant pis. Hein. Mais. Oh putain. Allez, dégage, toi. Hop, y'a quoi par là? Rien du tout. Hop! Hop, on continue par là. Voilà, on tue quel... On tue cette putain de chauve-souris là qui me casse les pieds. Une deuxième chauve-souris qui casse les pieds. Oh, et toi tu as réussi à me mordre. Donc je speed un peu, hein, mais je devrais pas. Ça m'a coûté la vie, hein, de speeder. Donc là, il y a la petite princesse. Apparemment, on peut l'atteindre. Mais j'en suis pas très sûr. Ah si, on peut. Ça on récupère. En fait, c'est vraiment bien de tomber tout de suite sur un jetpack. Au moins là, je suis sûr de pouvoir emmener cette clé à bon port. Hop, on récupère le point de vie qu'on a bêtement perdu en sautant sur un snake. Très bien. On continue. Mine 2. La clé est là.
Rien paraît ici, tant mieux, parce que j'avais pas envie de gâcher une corde pour déclencher ce putain de fucking piège. Hop, je sais pas. Mais en fait, déjà, est-ce qu'on la garde cette clé? Parce que les items, quand on les porte, en fait, on les garde pas pour la suite, en fait. On les laisse. Les bombes, ça m'intéresse quand même. Mais c'est que le deuxième marchand, mais ça m'intéresse quand même. Allez, viens tomber. T'es tombé? Tu tombes, s'il te plaît. Oh merde. Oh, il est pile sur la fin, quoi. Ah. God damn it. Ok, bon bah il m'a fait mal. Drôle de bruit. Bon, ça va se traduire par un échec, je pense, hein, cette vidéo. Moi, je pars là-dessus. Je devrais peut-être aller voir. Voilà. Allez, viens là, mon gros. Il y a un succès aussi. Il faut le finir en 8 minutes, Spelunky. Si déjà j'arrive pas à le finir en 40 minutes. Bon, c'est parce que j'y mets un peu de l'envie au niveau du score. C'est pour ça que je suis lent. Voilà. Ça, on le détruit. Toi, est-ce que tu as déjà tiré? Je ne crois pas, hein. Toi, je vais juste te faire comme ça. Et voilà. On n'en parle plus de ce piège. Arrête de crier, mademoiselle. Le personne ne viendra te sauver. Des piques. Pire ennemi des marchands. Les piques. Je sais pas s'ils résistent à la lave, ces enculés. Je crois pas, hein. Ce serait un peu cheaté, hein. Ce serait un peu des supermen. Déjà qu'ils sont assez costauds quand même. Pour sauter partout comme ça là. Ouhou. Des chauves-souris qui viennent me faire un câlin. Alors vous voyez que le scorpion c'est une saleté. Comme lui là. Je mise pas mal de trésors mais c'est pas grave. Oh là là, fais chier, j'ai pas envie moi. Hop, ouais, j'aurais dû le faire tomber. Y'a pas. Ah, nickel, un petit caillou. Hop. Peut-être prendre. Non. Ah, elles sont chiantes. Hein. Tête chercheuse, chauve-souris. Ah non. J'ai besoin de déclencher ce piège. Pour pas qu'il m'envoie sur les pics. Voilà, comme ça. Ouh là, par contre, il va falloir faire attention à ce coffre. Voilà, je vais le foutre dans les pics, comme ça, ça fait bien, genre, n'y touche pas. Hop. Donc si déjà je peux pas la garder, cette clé, c'est que c'est pas ça, et qu'en gros, je me suis cassé le cul un petit peu, là, pour rien. Ah, ça doit être ça. Mais franchement, ils nous autorisent à porter cette clé. Bah, ça ferait une arme de jet, quoi, mais... C'est chiant, quoi. Des hommes des cavernes, je suis au combien? Au 1-4 déjà? Et j'ai pas croisé un seul fucking jetpack. Oh non, elle s'est coincée là. De toute façon, là, je crois qu'à ce stade de l'aventure, j'aurais pu assez en fait pour un jetpack. Ah, une fosse à serpent? Non, merci. Il y a de l'argent dedans, mais franchement. Oh, un jetpack! Très bien! Il va s'agir de ne pas se rater. C'est ça la clé. Oh, mais en plus, il y a un rayon laser. Un rayon laser. Un rayon qui freeze. Donc, en fait, le marchand, je vais lui mettre sa pâtée. À part si je peux l'acheter, le jetpack. Ce serait nickel. Et je peux même acheter ça. Mais quel luxe! Je vais pas dire ça. Je vais pas parler trop vite. Mais là, franchement, je suis très bien parti pour réussir à ouvrir ce dernier passage secret. Je sais pas si ça ouvre quelque chose, enfin si ça nous débloque quelque chose. Toi, tu dégages. Non, mais...
Ah ouais, ce qui me manque, c'est la boussole. Mais normalement... Ouais, toi, tu meurs. J'aime bien la musique. Elle est cool. Allez, on expédie tout ça. Et on, comme ça, on aura... On n'a pas de succès, en plus. Enfin, je fais ça juste pour le... J'ai même pas de prestige, en fait. Franchement, avec cette... Avec ça, je ferais mieux de faire une putain de run, mais là, non, je... 800$, c'est pitoyable, 800$. Il saute... Alors, une pioche des bombes. J'ai 800$, je n'y compte même pas. Oh, tu vas t'en aller, toi. Putain de plante carnivore, tu t'en vas. Hop! Allez, 6 points de vie. Le tout, ce serait pas de rencontrer une ruche. Là, si je rencontre une ruche, je suis un peu dans le caca. Déjà, là, je suis dans le caca. Oh là là, non! Pourquoi je suis dans le caca? Parce que c'est un village de... Motherfucking... Bonhomme, là. Allez, viens là. Il est mort, très bien. C'est pas un roule à fin. Ouhou. Vous voyez le nombre d'hommes de des cavernes qui vont vous sauter dessus dès qu'ils vous voient. Putain. Allez, déclenche-toi. Voilà, très bien. Donc je suis au combien là? Franchement, si j'arrivais à finir le jeu en moins de 8 minutes, ce serait cool. Hein. Oh le mauvais spot! Oh les bâtards! Voilà, toi tu t'empales comme une merde. Vous voyez que je prête même pas attention aux damsels. Hein. Je fonce vers la sortie tout de suite. Très bien, les Ice Caves. Le monde le... Oh, il y a un perso secret. Ah bah, je vais le récupérer. Après avoir tué ces deux motherfucking vaisseaux. Je vais poser la clé ici. Et toi... Ah oui, c'est vrai qu'ils sont insensibles aux putains de coups de fouet, ces connards. J'ai la colle, très bien. Bon bah voilà. Good night. Et c'est qui? C'est une pirate. Tu sers à rien, tu vas tomber dans le vide en fait. Je me demande si je peux la sacrifier. Elle est en train de déclencher tous les pièges du monde. Voilà, elle est... elle est sautée dans le vide. Mais ça va, moi je pensais qu'elle allait mourir tout de suite en fait. Ça va, elle a une intelligence plutôt... Elle est encore là. Ok. C'est peut-être qu'en fait qu'elle a... Elle a... elle a pas touché le vide tout de suite. Enfin... Atteint la zone où on est censé mourir. Vous voyez qu'avec un jetpack en fait, si vous voulez finir le jeu, juste finir le jeu, eh bien écoutez... on your way quoi. Enfin on your way, qu'est-ce que je raconte moi? Ça va très vite, c'est ce que je voulais dire. Oh, oh, oh. Voilà. Je tombe à chaque fois sur la sortie du premier coup. Donc voilà, je vais être deg, hein, par contre, si c'est pas la bonne... La bonne... heureusement que j'ai pas été stun par un... Oh putain. Non, 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 non. Ça, les mammouths, faut rester loin. Parce que les mammouths, ils vous gèlent avec leur truc et vous glissez en fait. Donnez. Ah bah voilà, très bien. C'était ça qu'il fallait faire. Non, putain, je suis à 6 minutes, j'aurai pas le succès. Je suis assez dégoûté. Voilà, oh, oh. Mais très bien, j'ai eu ce que je voulais avoir, c'est-à-dire la dernière ouverture. Pour, voilà, le temple. Je pourrais aller au temple si je veux maintenant. C'est parfait, merci. Donc c'est un succès. Voilà. En même temps j'ai débloqué un perso qui a pas l'air très funky mais c'est pas grave. On jouera peut-être avec pour la prochaine vidéo. Là je m'amusais avec ce petit crapaud. Et le petit pingouin. Je crois qu'il y a un rat qui traîne aussi là. Il n'y a pas de rat. Ah fuck. Parce qu'en fait il y a toujours des petits machins. Qui traînent des trucs inoffensifs en fait dans les niveaux. Donc ça c'est pour les ice caves, ça c'est pour les jungles
Et je pense que pour les temples et les mines, c'est un rat. Très bien, donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit défi là, entre guillemets, hein. Ça a été plutôt expéditif. C'est peut-être nul même, mais c'est pas grave. Voilà, je comptais le faire, ce truc. Donc je l'ai fait, très bien. Voilà, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien, et à une prochaine vidéo. Ciao!